Bonjour et bienvenue à Coffee Break French. Welcome back to Coffee Break French. In lesson 39, nous allons à la plage. We're going to the beach and it's feeling much better. At the beach, we have a conversation with a mum and her two daughters. We hope that you enjoy this lesson of Coffee Break French. Comme d'habitude, nous allons commencer avec le dialogue. Alors écoutez bien. Have a listen to the dialogue. And afterwards, we'll have a talk about some of the language that's contained in it. Moi, c'est Marie-Emmanuelle. Mais on m'appelle Manou. Enchantée. Moi, je m'appelle Anna. Vous êtes de Sainte-Marie? Oui, nous habitons ici depuis trois ans. J'aime bien la ville. C'est ma première visite à Sainte-Marie. Et vous trouvez ça comment? Euh, oui, j'aime beaucoup Sainte-Marie. Vous parlez très bien français. Merci, j'apprends le français depuis presque un an. C'est un peu difficile et je fais beaucoup de fautes, mais j'aime bien parler avec les gens. Et justement, vous venez d'où Je viens d'Écosse. Vous venez d'Écosse Je ne suis jamais allée. C'est très joli, on m'a dit. Moi, je ne parle pas beaucoup anglais. Je l'ai étudié à l'école, mais j'ai presque tout oublié. C'est dommage. Et vous, les filles, comment vous vous appelez moi, je m'appelle Céline. Et moi, je m'appelle Aurore. Et vous avez quel âge J'ai cinq ans. Et moi, j'ai 9 ans. Et c'est quoi, madame Non, non, Aurore. Vous savez quoi, madame Quoi donc Eh bien, demain, c'est mon anniversaire. Ah bon Super Tu vas avoir six ans Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire pour fêter ton anniversaire nous allons à Pornic manger une glace à la fraiserie demain soir. Ah, moi, j'adore les glaces! Tu peux venir avec nous? Oui, peut-être. Et toi, Céline, tu apprends l'anglais à l'école? Oui, mon prof nous parle quelquefois en anglais. Et qu'est-ce que tu sais dire? Je peux dire hello et goodbye. Et je peux dire mon nom. My name is Céline. Très bien, tu parles bien anglais. Thank you. Je vais vous apprendre quelque chose. Demain, tu peux dire quelque chose à Aurore. Tu peux dire Happy Birthday. Ça, je connais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Aurore. Happy birthday to you. Allez les filles, dites au revoir à Anna. Il faut qu'on Au revoir. Au revoir les filles. Au revoir Manu. Bon séjour à Sainte-Marie. Now I told you that we were going to have something a little bit special, a little bit different today. Not only is it Aurore's birthday, but it's also the coffee break French birthday too. Okay, let's go back through the conversation now. We're going to begin by listening to the first part where Manu introduces herself. Moi, c'est Marie-Emmanuelle, mais on m'appelle Manou. Enchantée. Moi, je m'appelle Anna. So, Marie-Emmanuelle began by saying Moi, c'est Marie-Emmanuelle. That's her full name, Marie-Emmanuelle. Mais, on m'appelle Manu. On m'appelle, literally means one me calls, one calls me. I'm called Manu. So, my name is Marie-Emmanuelle, but. People call me Manu. Manu It's very common for longer names to be shortened like that in French. Anna then asks if Manu is from Sainte Marie. Have a listen and see if you can identify how long Manu and indeed her family have been living in Sainte Marie. Vous êtes Sainte Marie? Oui, nous habitons ici depuis trois ans, j'aime bien la ville. So Manu says, nous habitons ici. So, from the verb habiter, to live, nous habitons ici depuis trois ans. Now, depuis is your key word there because that means for or since. So, nous habitons ici depuis trois ans. So, how long? What's the number in there? It's three. Trois ans, three years. So, we've been living here for three years. Nous habitons ici depuis trois ans. So, listen to this part again and then continue listening and you'll find that Anna explains a little bit more about what she thinks of Sainte-Marie. Vous êtes de Sainte-Marie Oui, nous habitons ici depuis trois ans. J'aime bien la ville. C'est ma première visite à Sainte-Marie. Et vous trouvez ça comment uh, Oui, j'aime beaucoup Sainte-Marie. So, Anna says, c'est ma première visite à Sainte-Marie. « Première » means, of course, « first ». So it's her first visit, c'est ma première visite à Sainte Marie. And Manu asked her, Et vous trouvez ça comment? Vous trouvez ça, you find that, how? So and what do you think about it? Vous trouvez ça comment? And Anna replies by saying, Oui, j'aime beaucoup Sainte Marie, she likes it a lot. Uh, oui, j'aime beaucoup Sainte Marie. Vous parlez très bien français. Merci. J'apprends le français depuis presque un an. C'est un peu difficile et je fais beaucoup de fautes, mais j'aime bien parler avec les gens. So there's quite a lot in this section. Anna uses the depuis construction again. Depuis, D-E-P-U-I-S, and she talks about how long she's been learning French for. J'apprends le français depuis presque un an. Presque un an. Now, presque means Almost, so presque un an. Presque un an means almost one year. So I've been learning French for almost one year. Comme vous. So just like you, Anna's been learning French for about a year. Depuis presque un an. J'apprends le français depuis presque un an. And Manu is impressed. Vous parlez très bien. And Anna explains a little more about how she's coping with learning French. Have a listen and see if you can identify exactly what she says. C'est un peu difficile et je fais beaucoup de fautes, mais j'aime bien parler avec les gens. C'est un peu difficile. It's a little difficult. Et je fais beaucoup de fautes. And I make lots of, literally, faults, but she means mistakes, obviously. I make lots of mistakes, je fais beaucoup de fautes. Mais j'aime bien parler avec les gens. But I like speaking with people, parler avec les gens les gens are people so c'est un peu difficile et je fais beaucoup de fautes mais j'aime bien parler avec les gens manon asks anna et justement vous venez d'où and the justement here means a sort of right enough where do you come from et justement vous venez d'où je viens d'écosse vous venez d'écosse je ne suis jamais allé c'est très joli on m'a dit Now, there's actually quite a lot in this short part because Manu uses a couple of interesting phrases. She says, Ah, vous venez d'Ecosse? Je n'y suis jamais allé. Je n'y suis jamais allé. And she runs it all together. It means, I have never been there. Je n'y, so N apostrophe Y, and it's that Y that means there. Je n'y suis jamais allé. So I have never been there. The jamais part is the never. So I've never been to Scotland. Je n'y suis jamais allé. C'est très joli. On m'a dit. C'est très joli. It's very pretty. Joli is the word for pretty, and you can use it to talk about a person too. Joli. C'est très joli. On m'a dit. On m'a dit means one to me has told. I've been told. I've heard. c'est très joli, on m'a dit. it's very pretty, i'm told. and then she tells us something about her english. moi, je ne parle pas beaucoup anglais. je l'ai étudié à l'école, mais j'ai presque tout oublié. c'est dommage. she says, moi, je ne parle pas beaucoup anglais. so she doesn't speak much english. je l'ai étudié à l'école, mais j'ai presque tout oublié. now see if you can work this out. Oublier means to forget. So we've got that word presque again. J'ai presque tout oublié. I've forgotten almost everything. Je l'ai étudié à l'école. I studied it at school. Mais j'ai presque tout oublié. But I've almost forgotten everything. I've forgotten almost everything. Now, Anna then turns her attention to the girls. Et vous, les filles? Comment vous vous appelez? So using the vous form, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez. Vous vous appelez. That means what is your name? Okay? How are you called literally? Comment vous vous appelez? Et vous les filles, comment vous vous appelez? Moi je m'appelle Céline. Et moi je m'appelle Aurore. Et vous avez quel âge? J'ai 5 ans. Et moi, j 9. so aurore and celine introduce themselves and anna asks vous avez quel âge? now that literally means you have which age and it's how you say what age are you in french. so while in english we say what age are you in french you say what age do you have or what age have you? vous avez quel âge? Or, if you're speaking to one person who's younger than you, or you would be informal too, you would say, Quel âge as-tu? Or, Tu as quel âge? Tu as quel âge? The girls answer, and hopefully, you'll be able to work out what age they are. J'ai cinq ans. Et moi, j'ai neuf ans. So, Aurore says, J'ai cinq ans. Literally, I have five years, so I'm five years old. And Céline says, J'ai neuf ans. She's nine. Notice when you say "neuf" and then en, the f sound of "neuf" becomes more like a v. J'ai neuf ans. Et moi, j'ai neuf ans. Now, in this next section, Aurore starts to ask Anna something. She starts by saying, "Tu sais quoi, Madame? Do you know what, Madame?" But her mother corrects her. She says, "Non, non, Aurore. Vous savez quoi, Madame?" Because, of course, Aurore is speaking to an adult, so she should use the vous form. Et c'est quoi, madame? Non, non, Aurore. Vous savez quoi, madame? Quoi donc? And for native English speakers, this may seem strange in that we don't have a vous and a tu form in English. We use the one word you, regardless of whether you're talking to an older person or a younger person, or indeed if you want to be informal or formal. But in this situation, Manu wants to encourage Aurore to speak correctly to adults, so she wants her to use the vous form. But of course, Aurore just continues anyway with the story that she wants to tell Anna. And what is it that she wants to tell Anna? Have a listen. bien, c'est mon anniversaire. Now, sometimes it's quite tricky to understand when children speak a foreign language. That's why we're so delighted to get this conversation recorded. Listen again to what Aurore says. Eh bien, demain, c'est mon anniversaire. She starts by saying, Eh bien, demain, demain is tomorrow. Eh bien, demain, well tomorrow, c'est mon anniversaire. Tomorrow it's my birthday. And have a listen to Anna's reaction and the follow-up question. Eh bien, demain, c'est mon anniversaire. Ah bon, super. Tu vas avoir six ans? Oui. So Anna says, Tu vas avoir six ans. So let's think about this carefully. In French, you know already that we use avoir when we're talking about age. So to have what age? What age have you? Quel âge avez-vous? Or quel âge as-tu? So in this situation, Anna's saying, and you are going to have six years. Tu vas avoir six ans. Tu vas avoir six ans? To which Aurore says, oui, yes. So Anna asks Aurore how she's going to celebrate her birthday and her big sister answers you'll probably need a little bit of vocabulary to help you with this one or indeed a bit of cultural knowledge because she mentions la fraiserie which is a special ice cream shop all based around strawberries in Pornic have a listen to the question and Celine's answer Et qu'est-ce que vous allez faire pour fêter ton anniversaire Nous allons à Pornic manger une glace à la fraiserie demain soir. Ah, moi, j'adore les glaces. So Céline is obviously quite excited about her sister's birthday celebrations too. She says, nous allons à Pornic manger une glace à la fraiserie demain soir. So there's quite a lot of information in there. So nous allons, we are going, à Pornic, to the town of Pornic. Manger une glace, so to eat an ice cream, à la fraiserie, to the fraiserie, demain soir, tomorrow evening. So Anna replies with Ah, moi j'adore les glaces. Moi j'adore les glaces. I love ice cream. And Aurore then asks her a rather special question. Ah, moi j'adore les glaces. Tu peux venir avec nous? Oui peut-être. So ignoring the fact that earlier her mother was asking her to use the vous form, Aurore asks, Tu peux venir avec nous? Can you come with us? And Anna replies, Oui peut-être. So maybe perhaps she will come. OK, Anna now turns to Céline and asks her a question. Et toi Céline, tu apprends l'anglais à l'école? Oui, mon prof nous parle quelquefois en anglais. So Anna asks Céline, tu apprends l'anglais à l'école? do you learn english at school? and celine replies: oui, mon prof nous parle quelquefois en anglais. so my teacher, mon prof, nous parle. so to us speaks. quelquefois en anglais. sometimes in english. so, yeah, my teacher speaks to us sometimes in english. mon prof nous parle quelquefois en anglais. So the next question is fairly inevitable. Qu'est-ce que tu sais dire? What do you know how to say? Et qu'est-ce que tu sais dire? Je peux dire hello et goodbye, et je peux dire mon nom. My name is Celine. Très bien, tu parles bien anglais. Thank you. So I think that's all fairly self-explanatory. And then Anna goes on and suggests something that Céline could learn, something that she could say to Aurore demain, tomorrow. Have a listen. Je vais vous apprendre quelque chose. Demain, tu peux dire quelque chose à Aurore. Tu peux dire happy birthday. Ça, je connais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Aurore. Happy birthday to you. So when Anna suggests happy birthday to Céline, Céline says, ça je connais, ça je connais. That's quite a common phrase, ça je connais. Oh, I know that. But you turn it round in French and it becomes, ça je connais. That I know. But it's time for the girls to go and Manu asks them to say goodbye to Anna. But Aurore has one last question for Anna. « Allez les filles, dites au revoir à Anna. Il faut qu'on file. »« Au revoir. »« Tu viens manger une glace avec nous demain ?»« On verra. Au revoir les filles. Au revoir Manu. Bon séjour à Sainte-Marie. » So Manu said, « Il faut qu'on file. We have to get going. » And that's quite a nice way to say, « Come on, let's get going. Il faut qu'on file. » And the question that Aurore asked Anna... Rose, tu viens manger une glace avec nous demain soir? Will you come and have ice cream with us tomorrow night? And Anna says, we'll see, on verra bien. Okay, it's time now to listen to the whole conversation once more and see how much you understand this time. Hopefully, it will all make perfect sense. Moi, c'est Marie-Emmanuelle, mais on m'appelle Manu. enchanté Moi, je m'appelle Anna. Vous êtes de Sainte-Marie? Oui, nous habitons ici depuis trois ans. J'aime bien la ville. C'est ma première visite à Sainte-Marie. Et vous trouvez ça comment euh, Oui, j'aime beaucoup Sainte-Marie. Vous parlez très bien français. Merci, j'apprends le français depuis presque un an. C'est un peu difficile et je fais beaucoup de fautes, mais j'aime bien parler avec les gens. Et justement, vous venez d'où Je viens d'Écosse. Vous venez d'Écosse Je ne suis jamais allée. C'est très joli, on m'a dit. Moi, je ne parle pas beaucoup anglais. Je l'ai étudié à l'école, mais j'ai presque tout oublié. C'est dommage. Et vous, les filles, comment vous vous appelez Moi, je m'appelle Céline. Et moi, je m'appelle Aurore. Et vous avez quel âge J'ai cinq ans. Et moi, j'ai 9 ans. Et c'est quoi, madame Non, non, Aurore. Vous savez quoi, madame Quoi donc eh bien, demain c'est mon anniversaire. Ah bon, super Tu vas avoir 6 ans Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire pour fêter ton anniversaire Nous allons à Pornic manger une glace à la fraiserie demain soir. Ah moi, j'adore les glaces. Tu peux venir avec nous Oui peut-être. Et toi, Céline, tu apprends l'anglais à l'école Oui, mon prof nous parle quelquefois en anglais. Et qu'est-ce que tu sais dire je peux dire hello et goodbye. Et je peux dire mon nom. My name is Céline. Très bien, tu parles bien anglais. Thank you. Je vais vous apprendre quelque chose. Demain, tu peux dire quelque chose à Aurore. Tu peux dire Happy birthday. Ça, je connais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you Happy birthday to you Allez les filles Dites au revoir à Anna Il faut qu'on file Au revoir Tu viens manger une glace avec nous demain On verra Au revoir les filles Au revoir Manou Bon séjour à Sainte-Marie that's where we're going to leave it today for this edition of Coffee Break French. Thanks for joining us and we hope it's been useful. You can join the Coffee Break French community on Facebook at facebook.com slash French and we're at Learn French on Twitter. Merci beaucoup et à bientôt! This is a production of the Radiolingua Network. Find out more at radiolingua.com.